Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps et on va faire le radar à Venida. Vous devez utiliser une voiture des États-Unis des années 90, régler un maximum à 800 et faire 233,4 km/h. Comme voiture, j'ai choisi la Ford Racing Puma de 1999. Elle coûte 20 000 crédits au salon de l'auto et attention, ce n'est pas la Forza Edition, c'est la version normale. Avec le réglage Road Trésor et le code 1 1 1 6 9 7 7 4 8 1 1 1 6 9 7 7 4 8. On va partir d'ici à l'intersection avec la petite route rouge pour là-bas. Allez faire nos 233,4 km/h, c'est parti, le plus gros problème, c'est évidemment le trafic. Attention au trafic, hein. Coupez bien ici. Et voilà, 242,50. C'est réussi du premier coup, c'est vraiment pas difficile. Le seul souci, évidemment, c'est comme je disais, c'est le trafic. Hein, c'est long, vous rembobinez. Avenida terminée. Et voilà les amis, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.